Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon, oh, mon Dieu est tellement bon. Mon Dieu est tellement bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Bon, il est si haut à ta paix, il est aussi bas qu'on ne peut renverser, il est si entouré, comment il est aussi si haut à ta paix, il est aussi bas qu'on ne peut le renverser, il est si, si large qu'on ne peut entourer. Seigneur, sois béni. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 105, psaume chapitre 105. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 105, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec moi, avec ton Dieu, et que tu marches humblement avec ton Dieu, et avec ton Dieu.
ton nom soit béni, notre Père, que ton nom soit exalté encore ce soir. Nous nous réjouissons de ce que tu es toujours présent, mon Seigneur. Merci pour le psaume qui nous a été lu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi de voir réellement combien tu es fidèle à ce que toi tu as prononcé, Seigneur, à ton alliance, Père Saint-Dieu, et aussi à tes promesses à toi, mon Sauveur béni. Merci pour ton peuple qui est rassemblé ce soir en cet endroit, Père Saint-Dieu. Et il y en a aussi beaucoup, très nombreux, Père Saint-Dieu, qui sont aussi rassemblés à différents endroits, différents pays, Seigneur, qui sont connectés à cet endroit, Père Saint-Dieu. Nous te prions de pouvoir aussi le bénir et le soutenir encore, mon Sauveur. Aide-nous, Père Saint-Dieu, parce que nous avons tellement besoin de toi. Et encore en ces jours, mon béni, Père Saint-Dieu, plus qu'encore davantage, mon béni, Seigneur. Merci pour ton peuple, merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour le soutien que tu as apporté, Seigneur. Le secours apporté à notre sœur, Rosalie, béni, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment Dieu, mon roi, je t'en suis reconnaissant, Père. Sois béni pour chaque frère et pour chaque sœur que tu as gardé et protégé encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, ceux qui étaient aussi avec nous dimanche, qui sont aussi bien rentrés, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit le départ aussi, l'arrivée, Seigneur Jésus. Mon âme te loue encore ce soir, Père Saint-Dieu, pour tous les chants et les cantiques qui ont été chantés de cet endroit, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que tu continues d'agir, d'inspirer encore davantage, mon roi. Garde nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu, nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu. Honneur à toi. Merci pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur pour chaque jour qu'il nous donne et chaque possibilité qu'il nous accorde de pouvoir avoir un temps de communion pour pouvoir nous retrouver ensemble. Puisque nous sommes donc, comme les Saintes Écritures nous l'ont dit, des étrangers. Ici-bas, nous sommes citoyens des cieux et de pèlerins. Nous savons que la cité que nous attendons et que nous cherchons n'est point d'ici-bas. C'est pour cela que nous les remercions de tout notre cœur, de ce qu'il est vraiment l'étoile brillante du matin, lorsque nous sommes déboussolés, que nous ne savons pas tellement très bien comment donc avancer, nous fixons simplement nos regards sur lui. Il nous conduit réellement. Et comme il a dit aussi qu'il est vraiment le bon berger, et sur cette terre aussi, il nous conduit vers de verts pâturages, afin que nous puissions aussi être dans de bonnes conditions aussi. Tant sur la terre que dans les cieux, nous avons la grâce de pouvoir l'avoir, sachant qu'il est celui qui nous a dit aussi que voici, je suis avec vous, donc tous les jours jusqu'à la fin des temps. La Bible nous dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à pouvoir vraiment prendre courage. Certainement, nous aurons des combats, des batailles, ici et cela. Mais l'assurance que nous avons, c'est que celui qui nous conduit n'a jamais perdu le combat. C'est cela, il connaît effectivement aussi les tactiques effectivement aussi de l'ennemi. Il sait comment effectivement nous aider à ce que nous puissions passer et aussi avoir aussi la victoire sur celui qui pense pouvoir connaître toutes choses, mais alors que nous avons celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est une grâce, un privilège aussi, un honneur pour nous. Nous nous regardons comme la Bible nous le fait savoir effectivement que nous sommes comme des cela de rejetés, de malheureux, mais nous enrichissons beaucoup. C'est une grâce que nous avons effectivement de pouvoir avoir notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ qui est cet étendard que nous voulons brandir effectivement partout où nous passons. Que Dieu vous bénisse richement. Il bénisse aussi notre sœur Rosalie, je pense qu'elle est à l'hôpital aujourd'hui. Comme vous l'avez, enfin je crois qu'on vous l'a annoncé aussi, elle a eu une... Vraiment c'est une grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir l'avoir épargnée parce qu'aujourd'hui nous aurons été aussi dans un moment de tristesse aussi, mais le Seigneur, notre Dieu, veille. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, sœur, nous avons encore beaucoup besoin de toi. Oui. Elle est zélée dans son travail. Hein. Vraiment, elle est particulière. Hein. Vraiment, que Dieu nous la garde longtemps. Et nous prions pour cela aussi. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Parce que je crois qu'elle aurait aimé être ici,
mais nous prions vite qu'elle soit rétablie, qu'elle revienne effectivement aussi à sa place aussi. Que Dieu protège chacun de vous tous. Tout un chacun de vous, vous nous êtes toujours précieux en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui ne soit pas aussi précieux ni important. Je crois que chacun de vous, vous nous êtes très important. Votre présence est aussi importante. Et aussi, la bonne santé que Dieu vous donne aussi, c'est aussi notre grande consolation. Nous prions, nous persévérons pour que le Seigneur, notre Dieu, nous aide effectivement afin que nous soyons maintenus dans la position, comme la Bible le dit, que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois réellement aussi en bonne santé. C'est le désir très profond aussi de notre Seigneur et c'est aussi notre désir. C'est aussi la raison pour laquelle nous prions aussi les uns pour les autres. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns donc des autres et à pouvoir aussi marcher aussi de telle sorte qu'effectivement que celui qui nous regarde aussi puisse prendre aussi courage dans la marche aussi. Dans les Saintes Écritures, nous allons prendre dans le livre de Romains, Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, nous lisons à partir du verset 11. 13, 11 dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. » Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit donc est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire effectivement le convoitise. Amen. Merci, précieux Sauveur, Maître Bénim, pour nous avoir accordé la grâce de pouvoir avoir un livre que nous tenons dans nos mains, qui est donc la Bible, qui est ta parole à toi, Seigneur Dieu. C'est un océan profond, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Dans ces temps où nous sommes, nous avons besoin toujours de toi pour pouvoir nous conduire encore, nous éclairer, et surtout nous parler encore davantage, mon roi. Aie pitié de nous encore, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Souviens-toi de nous que notre désir de voir vouloir toujours se conformer à ta volonté, Seigneur. Aide-nous encore, Père Tout-Puissant, dans ces temps où nous sommes, afin que ce cœur que tu nous as donné puisse réussir s'accrocher aussi à toi et vraiment se conformer à ta volonté, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais. Aide-moi aussi, Père Saint. Je te demande cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est que nous venons de lire, effectivement, attire notre attention sur le fait que nous devons être vraiment très vigilants aussi, être aussi conscients. Nous ne pouvons pas marcher comme battant l'air. Je pense que c'est comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans les livres de Corinthiens, je pense au chapitre 9, il dit, « Moi je cours non pas comme battant l'air. » C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui avance comme ça, comme en tout vent poussé à gauche ou à droite, effectivement. Je suis quelqu'un qui avance tout en connaissant effectivement très bien où est-ce que je vais. Et aussi, sachant aussi que Dieu te bénisse, ma soeur, comme on l'a dit. Merci aussi pour ce que tu m'as raconté tout à l'heure, effectivement, que Dieu te bénisse pour cela. Donc, je dois être quelqu'un qui doit être conscient, effectivement, de l'endroit, de ce que je suis et ce que je fais, effectivement. Donc, dans les choses dans lesquelles je me trouve, je ne peux pas être incertain. Aujourd'hui, le monde est effectivement dans une incertitude. Si nous regardons effectivement aussi comment aussi, d'une manière géopolitique, effectivement, je ne rentre pas là-dedans, mais bon. Nous regardons qu'effectivement, l'Europe, effectivement, pendant quand même des années, a eu à pouvoir vivre effectivement dans une opulence et puis dans une période de
paix, effectivement, nonobstant, effectivement, ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont eu à pouvoir avoir les terrorismes, ainsi de suite, effectivement. Mais au sein même de pays européens, c'était vraiment, comme on peut dire, quand même, cette paix, en fait, ce moment de paisible, en fait, comme on peut dire. Alors, on a remarqué qu'effectivement, qu'il y a eu ce qu'on appelle une secousse qui est venue de l'autre côté. Et ça secouait en fait les gens et ça les a un peu réveillés un tout petit peu parce qu'ils se disent que bon, on a toujours pensé que la guerre serait toujours loin dans notre pays, Moyen-Orient, Proche-Orient, ainsi de suite. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, que ce n'est plus très, très, très loin. C'est juste à côté de nous, effectivement. Et cela a fait qu'effectivement, que les gens commencent à se poser des questions. Donc, je pense que la situation même globale mondialement, et d'une manière telle que quand on regarde effectivement, les gens se trouvent dans une position où ils ne voient pas tellement très bien laquelle orientation on peut aller effectivement, que ça soit dans la politique et dans tout, même si on regarde même dans la nature effectivement, on touche effectivement au climat et tout ça, on ne peut pas contrôler les climats d'ailleurs. Vous pouvez envoyer tous les appareils que vous voulez, bon, on ne peut pas contrôler cela effectivement en réalité. Il n'y a qu'un seul qui peut contrôler tout, effectivement. C'est celui qui est l'auteur de la nature, en fait. Et c'est lui auquel, effectivement, la nature obéit. Il a établi, en fait, les lois que personne ne peut arriver à pouvoir désarçonner ou bien défaire, effectivement. Ces lois sont établies. Prenons juste un exemple pour que nous puissions comprendre que personne ne peut arriver à pouvoir changer ces lois. Prenons l'exemple, effectivement, quand nous arrivons, effectivement, vers l'hiver. Qu'est-ce que vous voyez? Lorsque l'hiver commence à frapper à la porte, hein, toute la sève des arbres descend. Qui a donné cette loi? Est-ce qu'on peut prendre des lois chez nous dans nos gouvernements et dire, voilà, maintenant, la loi, c'est que toi, maintenant, arbre sève, tu ne dois pas descendre telle période, tu dois rester là suspendu, et tu es obligé. Ils peuvent prendre des lois, mais la sève n'obéira jamais. Parce qu'il y a une loi qui est établie par l'auteur. Donc, on doit comprendre, effectivement, nous aussi, que dans tout ce qu'il y a comme domaine sur cette terre, on peut prendre des lois humaines, mais Dieu a établi ses lois. Donc, dans tout l'homme, effectivement, vous pouvez dire, oui, nous autorisons ça, 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 ça. Mais ce que Dieu a dit au commencement, ça doit toujours demeurer. Vous ne pouvez rien changer à propos de ce que Dieu a dit. Vous savez, il dit, mais toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc, effectivement, la loi de Dieu est dans toute chose. Que ce soit dans les océans, que ce soit dans l'espace et dans l'air, dans tous les animaux. Parce que tout lui obéit, en fait. Et tout lui est soumis, effectivement, comme je pense dans le psaume chapitre 8, effectivement, dit, tu as tout mis sous ses pieds. C'est pour ça que vous devez comprendre que nous semblons être, quand on se regarde, effectivement, on est des malheureux, Dieu ne fait rien. Non, mon frère, Dieu, notre Seigneur, il fait. Et son œuvre avance, effectivement, à l'heure et au temps qui a été. Personne ne peut stopper ce que le Seigneur, notre Dieu, a déclaré de voir arriver. Tout ce qu'il a déclaré. Nous avons un privilège extraordinaire. C'est ce que nous avons la grâce de connaître, c'est Dieu. Et c'est Dieu nous parle aussi, parce qu'il nous a donné la possibilité d'avoir sa parole, qui est donc la Bible, dans laquelle, effectivement, si vraiment l'homme était intelligent, ce serait les livres auxquels, si nous étions intelligents, nous nous séparerions jamais. On peut tout séparer de toutes les autres choses, mais jamais de ceci. Parce que tout ce qui doit arriver est écrit là-dedans. Comment les choses vont se passer? On nous a dit, il en sera de même dans ces temps, hein? Comme au temps de Lot. Les gens vont dire, mais comment est-ce possible? Vous connaissez Lot, non? Comment ils vivaient effectivement l'homme, les hommes qui disaient, donnez-nous. Vous connaissez quand les deux gens sont venus, non? Donnez-nous, nous, afin que nous le connaissions. Vous connaissez, non? Le Seigneur, notre Sauveur, nous a dit qu'il en sera de même comme au temps de Lot, notre temps. Qui peut douter? Personne ne peut douter.
C'est devenu flagrant, donc partout où vous passez, vous voyez qu'effectivement, que non, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la Bible a raison. Donc quand Dieu, peu importe, même si vous ne la croyez pas, les gens ne croient pas, mais en fait, ce que la Bible a dit, sous nos yeux, ça s'accomplit. C'est pour ça que nous avons cette grâce, que le monde ne voit pas, mais vous voyez. Et que maintenant, sachant effectivement cela, que nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, effectivement, combien nous serions tellement reconnaissants à Dieu et pouvoir serrer la parole de Dieu dans notre cœur, comme le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. S'il y a un livre que vous ne pouvez jamais manquer de pouvoir lire le matin, l'après-midi et le soir, en mettant vos gestes à ma côté, c'est bien la Bible. Il nous dit, tes préceptes à toi sont donc, vous vous rendez compte? Ça veut dire que j'ai une grâce extraordinaire que dans des situations où je peux aller me présenter quelque part, quand je peux ouvrir ta parole à toi, il y a toujours une écriture. Il n'y a pas un livre comparé. On peut écrire, mais un livre comparé, il n'y en a pas. C'est le seul. Sur la terre, il n'y en a aucun. De toutes les soi-disant qu'on peut appeler religions à gauche et à droite, de tout ce qu'on appelle des bouddhas, de ces, j'en sais rien. Il n'y a aucun livre qui peut être comparé à celui-ci. Parce que les origines même de l'homme, les autres ont tâtonné, ont ceci, ont cela. Vous allez dans le Coran, on vous raconte effectivement, copie, mais falsifié. J'ai le Coran dans mon bureau. Oui, eh bien, dis donc, quand tu dois quand même savoir ce que j'ai dit aussi, non? Eh bien oui, je l'ai dans mon bureau. Parce que même, et c'est la copie des choses qu'on a eu à pouvoir mettre ainsi dessus, effectivement. Mais si vous voulez réellement connaître l'origine exacte de toute chose, vous n'avez pas besoin d'aller dans la lune. Non. Vous n'avez pas besoin de pouvoir payer des avions pour pouvoir monter au-delà des nuages, effectivement, pour aller scouter, effectivement, planer. Vous n'en avez pas besoin. C'est là. Donc la Bible est la parole véritablement de Dieu qui te dit, effectivement, l'origine même des étoiles. L'origine de chaque chose. Et pourquoi? Comme si nous savons que Dieu a dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. J'aime beaucoup cette parole. Il a fait toutes choses pour un but, effectivement. Même les méchants pour les jours, Dieu. Et c'est comme ça qu'on comprend, comme nous le disons souvent ici, qu'il n'y a pas de la place pour les hasards. Dieu, non, dans les choses de Dieu, il n'y a pas. C'est pour ça que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être reconnaissants au Seigneur et de tout notre cœur. Quand nous nous accrochons à lui, peu nous importe ce qui peut arriver. Nous savons que toute chose va toujours concourir pour mon bien. Pour autant que je puisse aimer Dieu. Pas quand je vis n'importe comment. C'est pour ça que c'est clair. Il dit, mais toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Si toi tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas aimer le monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce qu'on peut trouver cela. Ah, mais tout ce qui m'arrive. Non. C'est quand tu te tiens dans la parole de Dieu que tout ce qui va t'arriver, eh bien, cela veut dire que tout le malheur que Satan va faire en fait fondre sur toi, Dieu va le transformer en bonheur pour toi. C'est pour ça que, aussi longtemps que tu resteras accroché à la parole de Dieu, le diable te trouvera comme la cible. Mais ce que Dieu te dit, mais ce qu'il ne se rend pas compte, ce qu'il ne peut même pas croire, c'est que tout ce qu'il va lancer comme toi, comme flèche, Dieu va toujours tourner ça en bien pour toi. C'est pour ça qu'il nous dit toujours que les épreuves sont plus précieuses pour nous. Alors qu'il dit, mais je vais lui en donner encore davantage. Il va se décourager. Mais aussi longtemps que toi, tu te tiens dans la parole de Dieu. Toute épreuve, toute difficulté, tout malheur, par là, Dieu les transforme. Et il fait de toi un homme fort, une femme forte. Le diable ne comprend pas. Mais plus il attaque, plus il te fortifie. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est comme le vent quand il secoue l'arbre. Il dit, mais je vais le faire tomber. Non, les racines s'enfoncent encore davantage. Ça,
on doit. C'est pour ça que les chrétiens ne se plaignent pas. Le vrai chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, même si la maladie frappe, il ne craint pas. Il dit, Seigneur, c'est pour mon bien. On ne dit pas ça parce que l'élève doit exprimer cela, mais on comprend. Parce qu'il t'a dit que je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point, je serai toujours avec toi. Je pourvoirai effectivement aussi pour tous tes besoins, comme nous l'avons lu aussi dimanche dans Matthieu au chapitre 6. Et oui, c'est bon berger, des pasteurs, des prébis, effectivement, dans son église, qui te dit à toi et à moi, tu ne dois pas t'inquiéter. C'est pour ça qu'il dit que panie l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Pourquoi t'as battu mon âme? Et je m'y tue au-dedans de moi. Espère en l'Éternel. J'aime beaucoup cette écriture. Il dit, considère les oiseaux du ciel. Oh, regarde. Ils ne sèment ni moissonnent. C'est vraiment important pour nous que nous puissions comprendre. C'est vrai que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on voit effectivement aussi que la mort est là. Et là, le bon berger est là. Alors la parole dit, je ne crains aucun, car tu as roulé ton bâton. Voilà. C'est seulement la confiance et la foi. C'est pourquoi on dit, mais c'est là. Un peu d'autant plus que vous savez. Qu'est-ce qu'il dit, hein? D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Toi et moi, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et en tâtonnant. Si nous sommes de ceux-là qui tâtonnent encore aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas à la place qu'il fallait que nous soyons. Je veux dire que positionné en fait dans les choses de Dieu notre Seigneur. Je pense dans les livres de, je pense peut-être Thessaloniciens, chrétiens, je pense que c'est cela. Il nous dit quelque chose, nous allons peut-être le trouver ici, hein, Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 5. Voilà, oui, c'est ça, merci Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, il nous dit, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Donc, quand on l'appelle frère, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une expérience. C'est vrai, non? Pourquoi nous nous appelons frères et sœurs? Nous nous appelons frères et sœurs parce que nous sommes nés du même père. Nous avons été engendrés. C'est pour ça que souvent on parle de cela, mais bon, c'est dit, mais c'est comme si, on répète, c'est la clé même, en fait, d'une certaine manière, pour qu'on puisse comprendre. Okay. L'amour que nous sommes censés manifester envers l'un et l'autre. Pourquoi est-ce que cet amour doit arriver à pouvoir se manifester dans le croyant, en fait? C'est pour ça que nous regardons très bien que la Bible dit, je crois que nous l'avons lu, vous connaissez bien, je l'aime beaucoup cette affaire, verset 6, dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 21, ça c'est aussi toujours bon de pouvoir les dire, et je reviens encore, nous revenons là-dedans. Il dit ici, 1 Pierre, oui, c'est ça, oui. Verset 22, il nous dit bien clairement, il dit,
Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, j'aime bien que vous, hein, vous comprenez cela. Parce qu'il est impossible, mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, que vous puissiez comprendre que vous ayez été touchés par la parole de Dieu et que cette parole ait été trouvée effectivement aussi une place dans votre cœur. Comme le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez donc la vérité et la vérité vous a... Voilà. Et nous sommes donc les enfants de la vérité. Et quand nous avons cela à nous, il est impossible, mon frère, que tu sois hypocrite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la duplicité en toi. Si tu es encore un peu hypocrite, effectivement, double, tu as besoin de te mettre à genoux pour qu'on prie pour toi, afin que réellement que celui qui nettoie puisse avoir le chemin et pénétrer effectivement. Mais qui nettoie? Il a dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole, et voilà le chemin. Comme nous l'avons entendu dans Romains au chapitre 13, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, effectivement. Parce que ça ne fait pas partie de nous. C'est l'heure, mon frère qui dit ça. Oui. Alors il dit, regardez très bien comme nous le disons tout à l'heure, effectivement, dans ce qu'il dit. Il dit, pour avoir un amour fraternel vraiment sincère. Et puis il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, bien-aimé. Et c'est que beaucoup de gens nous écoutent aujourd'hui aussi, effectivement, dans différents endroits. C'est nécessaire, parce qu'il doit dire, le Seigneur parle à tous ceux qui sont... C'est important, mon frère et ma soeur, que nous comprenions que ceci, que quand les saintes écritures nous disent « aimez-vous ardemment », quand on parle d'ardemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce que peut dire mes frères, mais ce n'est pas moi qui dis, l'écriture continue, mais de tout votre... Or, la vie éternelle, c'est que te connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah, si, tous connaîtront que vous êtes mes... Si vous avez quoi? L'amour les uns et les autres. Je parle aux croyants, aux fils de Dieu, à ceux qui l'ont choisi comme étant leur maître. C'est important cela que comprennent. Ça veut dire qu'effectivement que si nous sommes ses disciples, c'est lui qui nous a appelés. Alors ce qui veut dire qu'il nous a donné ce qu'on appelle la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous comptez, vous souvenez, non? Alors, si toi et moi, nous avons la vie éternelle, cette écriture ici, dont on est en train de lire ici, s'adresse à ceux qui ont la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez bien? Mon frère et ma soeur, ne te mets pas un masque à tes yeux. Ou te dire que moi je suis. Ne te donne pas des fleurs toi-même, qu'on te donne des fleurs. Ne t'offre pas de bouquet de fleurs toi-même. Que quelqu'un puisse t'offrir en disant, en tout cas, toi, tu mérites. Ne te mérite pas toi-même. Mais quelqu'un dise, toi, en tout cas. Donc, frère et ma soeur, c'est nécessaire. Donc, il dit, mais aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. La preuve, c'est ceci. Les jours de la Pentecôte, mon frère et ma soeur, ces hommes et femmes qui étaient là, ils se connaissaient un peu comme ça, donc il n'y avait pas d'intérêt pour l'un comme pour l'autre. Mais on brûle qu'à courir, effectivement. Suis ma soeur. Ils sont venus, effectivement. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu doit faire pour attirer l'attention. Si on est distrait, ça ne passe pas très bien.
est-ce possible? Pierre a parlé, et puis le cœur. C'est toujours là que Dieu veut changer. Pas là, mais là. Nous, on focalise toujours les choses ici. Les pensées, oh, il pense de moi. Il a fait, c'est toujours là que... C'est là que Dieu vise, en fait. Leur cœur furent vivement. Et ils dirent aux apôtres, « Oh, homme frère, que ferons-nous donc ?» Et quand on leur a dit effectivement ce que la parole de Dieu exigeait, ils n'ont pas hésité. La Bible dit une parole que j'aime beaucoup, mais ceux qui reçurent de bon cœur, sans penser ceci et cela calculé, non! Parce que la parole de Dieu a une puissance, mon béni, mes frères et ma soeur, d'être transformé, d'agir, de changer ton caractère, ce qui est mauvais en toi, d'enlever cela. C'est le but, effectivement. Elle vient pour changer, pour transformer. Tu lui avais pourquoi? Parce que tu ne veux plus ce que tu es. Mais il ne va pas faire son travail à moitié. C'est complètement, donc, déraciner le mal. Donne-lui donc la possibilité de le faire. Quand il va le faire, la parole est comme ça. Elle ne travaille pas en surface, non. Dans la profondeur. C'est pour ça qu'elle cherche une terre, pas une pierre, pas les épines. Mais la terre. Bien sûr que oui. Ce qui reçoit des bons cœurs, toujours. Pas qu'en restant là, si on réfléchit, on pense, oui, ceci et cela. Non, 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 non. J'ouvre mon cœur. Seigneur, vois mon désir. Tu as dit que tu pouvais changer ma vie. Ce que je veux. Au nom de. C'est sûr et certain qu'il va le faire. Parce, pourquoi il est Dieu? Pourquoi est-il mort? Pour que tu sois infertile? Non! Il a donné sa vie pour que toi tu vives. Donc c'est un droit que tu as. Vivre, c'est un droit. Libre, c'est un droit. Délivrance, c'est un droit. Alléluia, tout ça, c'est un droit que tu as. Donc prends-le! C'est vrai. Puisque Dieu t'a donné, alors prends-le. Alors regardez, quand ils l'ont reçu cette parole, effectivement, que de tout leur corps, ils étaient incapables d'aimer, incapables de donner. Ils étaient des cupides, effectivement, ils ne voulaient pas donner, non, ils étaient comme cela. Mais quand la parole est entrée dans le cœur qui était disposé, mon frère et ma soeur, des chemins étaient tout tracés. L'homme qui était cupide ne veut pas donner, il se lève, il dit, mais j'en ai de trop. Alléluia, mon frère. Est-ce que tu le veux? Alléluia! La parole de Dieu, elle est puissante, mon frère. Le diable ne peut rien contre, mon frère, ma soeur. Il n'arrivera jamais. C'est la parole qui va le vaincre et qui l'a vaincu aussi, mon frère. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Peu nous importe, nous avons la victoire, mon frère. D'ailleurs, le tombeau ne pourra pas résister contre nous. Alléluia! Parce que lorsque nous dormons, les cris vont retentir. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de sortir, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la parole de vie en toi. Souvenez-vous d'Élisée. Mort, effectivement. Un homme qui aimait Dieu. Un prophète de Dieu, il était mort. Le corps enterré. Et puis on vient avec un mort. Il y avait les troubles, bah, paf, le corps est tombé sur les eaux. L'homme est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez? C'est pour ça, Pierre et Jean ont dit, mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, mon frère et ma soeur, tu l'as, tu dois l'avoir. C'est absolument nécessaire et important que nous comprenions que le monde ne peut pas nous diriger. Non, le monde n'a rien à nous apprendre. Non, pas à nous instruire, il n'y a rien. C'est plutôt vous. Vous savez ce que la parole de Dieu dit effectivement en rapport avec l'Église. Vous ne vous rendez pas compte en fait. Nous avons l'impression quand on regarde comme ça, c'est parce que nos yeux nous trompent. Si le Seigneur nous ouvre un peu les yeux, est-ce que vous comprenez? Que vous voyez effectivement ce qui est. Vous dites, mais Seigneur, on ne se rend pas compte, nous sommes entourés. Mais c'est vrai. Vous regardez ce mardi, nous ne sommes pas peu nombreux. Bien sûr que, naturellement, quand on peut se regarder, c'est comme ça, bien sûr. Mais les anges de Dieu, vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, là où son nom est invoqué,
Il a dit lui-même, Dieu est attaché. Nous l'avons lu dans le psaume. Il ne peut pas oublier son alliance, ses promesses. Non. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Élisée a prié. Seigneur. Quand Gazi se regarde, il dit, mais il n'y a que toi et moi. Ils sont tellement si nombreux. Cet homme était tellement certain et serein. Bien sûr que la multitude de l'armée des Syriens, tout ça qui était autour de là, ça faisait quand même peur. Humainement parlant, Gehazi l'a regardé, puis il a eu peur, effectivement, aussi. Il dit que nous sommes très peu nombreux ici. Il dit, mais il n'y a que toi et moi. Et puis, amen, amen. C'est sûr et certain. Nous avons lu dans les psaumes, non? Il dit, ils étaient alors peu nombreux. Puis on ajoute encore très peu nombreux. Il ne permit point qu'on les opprime. Amen. Même quand vous êtes seul, avec les yeux naturels, très peu nombreux, mais vous n'êtes pas seul. Élisée et Gehazi. Gehazi regarde comme ça et dit, mais ils sont nombreux, nous sommes que très peu. Oui, Dieu ne demande pas beaucoup. Elle dit, mais Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Quelle grâce. Il a prié quand même pour lui. Il pouvait ne pas prier. Il a prié, il dit, mais ouvre ses yeux, afin qu'il voie. Qu'est-ce qu'il a vu? Mais c'était rempli. L'armée des cieux pour un seul homme. Quand on le regardait, lisez bien la Bible, frère et sœur. Ce n'est pas une histoire. Et nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires comme dans une pièce de théâtre. Non, non, on n'a pas le temps pour cela. On vous parle des choses qui sont vraies, auxquelles le Dieu du ciel et de la terre vous a donné. Et pour lesquelles aussi, vous devez aussi croire, effectivement. Satan joue, effectivement, sur la nature des hommes, en fait. Parce que ce que l'homme a, ne lui permet pas de pouvoir voir loin. Parce que humainement parlant, avec sa nature, l'esprit de l'homme ne peut pas voir loin. Mais maintenant, Dieu lui a donné quelque chose encore de très important. C'est cela l'esprit de Dieu en fait. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'homme spirituel. C'est pour cela que le diable a peur. Parce que quand on rentre dans l'homme spirituel, alors on n'est plus charnel. Parce que lui, il est esprit, c'est cet esprit-là. Donc Satan, vous connaissez, non? Il joue avec les gens parce que les gens, ils ne sont pas dans l'esprit, ils sont toujours charnels. Voilà pourquoi il les tramade à gauche et à droite. Mais maintenant, quand toi, tu es né de nouveau maintenant, ah oui, tu es dans une autre dimension. Plus ces dimensions maintenant grandissent, plus maintenant tu vois les choses, plus maintenant tu contrôles, c'est sûr et certain. Voilà pourquoi il combat pour que tu ne sois pas spirituel. Parce que c'est que si tu deviens spirituel, dans cette dimension-là, tu vas voir. Et quand tu montes là-dedans, tu vois, alors à ce moment-là, c'est terminé. Il ne peut plus te tromper. Waouh. Le temps, hein, si. Oui, c'est vrai, chez deux fois, c'est pour ça que la grâce que nous avons quand nous expérimentons donc cette nouvelle naissance dans les choses de Dieu, mon frère et ma soeur, aussi vrai que les cieux et la terre existent, que tu le vois aussi, toute chose te devient possible. Et sont possibles, vous comprenez, dans la soumission à ces dieux qui rend les choses. Bien sûr. Parce que c'est celui qui veut. Prenons un exemple, c'est un exemple que je donne. Si par exemple quelqu'un, il est un malade ou un paralytique, je ne sais absolument rien, parce que bon, le désir de tout un chacun, il dit, bon, je vais prier pour le paralytique, puis s'il peut se marcher. Vous comprenez? Vous me suivez, non? C'est un exemple. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre que même quand nous avons des dons, on ne distribue pas les choses comme ça. Ah non, c'est ça que les gens beaucoup commettent des erreurs, effectivement. Ils vont travailler avec des démons, ils disent, les migrants. Non. Un don est soumis à celui qui l'a donné. Oui. Vous pensiez que c'est important qui était l'apôtre de la belle. Vous suivez très bien.
que si Pierre allait à un autre endroit et trouvait encore un important, exactement comme dit par exemple, okay, Pierre les livres, lève-toi et marche. Vous vous regardez, mes frères, mais écoutez-moi très bien. C'est ça que nous devons connaître Dieu. C'est important qu'était l'apôtre Labelle là. Dieu savait qui il était. C'était lui dont il était question, que Dieu voulait que ça soit lui qui soit donc guéri. Donc quand ces hommes-là sont venus, Pierre et Jean, quand ils sont partis, effectivement, savez, quelque chose s'est passé autour d'eux. D'abord, l'interpellation de cet homme. Il y a quelque chose que je voudrais quand même vous dire. Quand on prie pour quelqu'un, je donne un exemple, moi, quand je prie pour quelqu'un, quand je me mets à pouvoir, ça je vous dis que, simplement un petit peu, quand je me mets à pouvoir prier pour quelqu'un, il se passe parfois quelque chose. Ce qui veut dire que quand Dieu agit pour la personne, je sens que cette personne-là, il a reçu la chose. Et quand aussi la chose n'est pas faite parce que la personne a quelque chose qui retient dans son cœur, on sent aussi. Bon, je vais vous donner un témoignage. C'est vrai, parfois on peut dire, ça, je crois que je vous l'ai déjà raconté ici. C'était une sœur qui était venue, donc qui était là, qui a suivi la réunion, tout ça, puis elle est passée devant pour qu'on puisse prier. Nous étions là, et les frères sont venus aussi avec moi, et nous étions debout. Et j'avais déjà rendu ce témoignage d'abord au frère bureau que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir aussi voir effectivement si telle personne a quelque chose d'intérêt. Bon, comme je disais l'autre fois, que bon, les gens doutent toujours. Je sais que les gens doutent toujours. C'est cela ainsi. Ce n'est pas quelque chose que vous dites, moi, donne-moi, je fabrique. Ça a été avec vous comme ça. Et c'est vrai, cela. Alors, la sœur est avancée. Je me suis aussi avancé. Les frères sont avancés aussi. Voilà, la sœur dit, bon, je suis malade. Je vais dans papa. Paf. Alors, on a commencé à prier. Les frères ont commencé à prier. On a commencé à prier. Et puis, le Seigneur me dit, arrête. Et les frères disent, tentez de voir, prier. Puis j'ai dit, frère, s'il vous plaît, arrêtez. C'était pour la première fois de pouvoir voir qu'on les interrompt dans la prière. J'ai dit, cette sœur ici que vous voyez, elle a un problème. Dans son cœur, elle a fait quelque chose, effectivement, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Elle le sait, d'ailleurs. Mais elle n'a pas mis cette chose en ordre avec Dieu. Tout ce que vous allez prier ici, ça ne va rien faire à la sœur. Et la sœur a commencé à prier. Dieu que je sers, remettez-moi. Ici dans l'assemblée. On a pleuré, effectivement. Il dit, c'est la vérité. Je dis, oui, ma sœur. Puis le frère me regarde. Je dis, oui, sœur, tu connais les problèmes que tu as. Alors va là de ton côté, répare ces problèmes avec ton Dieu. Quand tu sentiras que tu as vraiment réparé les problèmes, et puis reviens ici, on va prier pour toi. Bref, c'est ça s'est passé. Et puis, il arrive parfois, je prie, frère Jonas peut vous le dire aussi, il est là, il peut vous voir un témoignage, hein. Il était là, il vient d'abord pour prier, et j'ai non, bah, bref, Dieu est grand. Bon, c'est parce qu'il y avait, c'était à côté de la santé, hein. Évidemment aussi, cela aussi. Parfois, je prie pour les gens, je suis en train de pouvoir prier comme ça, je vois effectivement que la mort est sur la personne. Oui, je mets mes mains, je prie comme ça, je prie pour la personne, je vois que la mort est sur la personne. Oui, c'est la vérité. Puis j'ai dit à la personne, dit, c'est vrai, il y a ça, effectivement. Il m'a dit, oui, j'ai senti ceci, ceci, cela. Oui, c'est vrai. Et notre frère aussi, il était parti donc à l'hôpital, et on avait fait des examens, effectivement. On lui avait dit qu'il y avait ça. Moi, je n'avais absolument rien. Il vient, je prie pour lui, je vais mettre mes mains pour prier. J'ai dit, frère, je crois qu'il y a ça. Je sens qu'il y a tes signes. Donc, il dit, pasteur, c'est seulement 100% vrai parce que j'ai même les papiers de l'hôpital qui est dans ma voiture. Oui, c'est vrai, frère, ça. Bon, bref, bon. Vous dites que. C'est-à-dire que le Seigneur conduit toutes choses, en fait. On ne doit jamais dire que nous sommes des indépendants. Et on fait ce qu'on veut. Non, on est dépendant. Dépendant de qui? Du Seigneur, effectivement, qui contrôle toutes choses. Alors, puisque c'est Dieu est avec nous, c'est sûr et certain, nous devons réaliser qu'effectivement, que ce que lui nous dit, c'est pour toujours notre bien.
quand il nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, nous l'avons entendu l'autre fois, effectivement, c'est parce qu'il nous a donné la capacité d'avoir cet amour véritablement vrai et sincère. Toi, tu ne regardes pas à celui qui est en face de toi. Si lui t'aime ou pas, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que ton Dieu à toi, moi, je suis un fils de Dieu, mon problème, c'est l'obéissance. C'est lui qui est en face de moi. Moi, je crois qu'il est un fils de Dieu. S'il ne l'est pas, Dieu le sait. Mais moi, mon problème à moi, je suis censé pouvoir aimer. Oh, il est ceci, il est... parce que le diable viendra, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te faire sortir tous les journaux de celui-là qui est en face de toi. Ce qu'il a fait, pourquoi? Pour te désarçonner. Parce qu'il a peur que si toi, tu restes en position, tu l'as vaincu. Mon frère et ma soeur, l'amour a une puissance. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous perdez votre temps avec la haine en insultant. Vous perdez votre temps. C'est lui qui a l'amour. Il a le pouvoir. Il domine même sur vous. Bien sûr, messieurs. Sur les démons, vous dominez. C'est un pouvoir, mon frère. Mais posez-vous la question, est-ce que vous pouvez la retenir, ce pouvoir, effectivement, en vous? Parce que chaque fois, la haine vient. C'est ça la faiblesse, mon frère. Oui, on pense que celui qui aime est faible. Non, celui qui aime est fort. Amen, amen. Il faut que nous apprenions, effectivement, les choses de Dieu pour que nous sachions qui nous sommes et comment combattre. Le Satan, il est vraiment... Si on ne connaît pas les tactiques de l'ennemi, il va toujours nous vaincre. Avez-vous remarqué, effectivement, vous me prenez pas, quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, il insiste sur le point que, il y a des choses qu'on a prises, c'est tellement important, révélation, mais regardez très bien, regardez très bien, regardez très bien, 1 Corinthiens chapitre 13, regardez très bien. Puis nous retournerons ici dans Pierre, et puis nous allons retourner encore dans ce que nous avons lu tout à l'heure, Romains chapitre 13, et nous partons de 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez très bien. Il nous dit ici, les Corinthiens chapitre 12 d'abord, il nous parle effectivement aussi. Il nous dit, c'est toujours merveilleux. Vous lirez à partir de chez vous. Oui. Alors, nous allons lire quand même quelques portions d'abord dans tous. Dans tous. Okay. Et bon, c'est bon, comment il dit verset 27, il nous dit. Verset 26 dit, mais si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Vous connaissez? Si un membre est honoré et tout le membre se réjouit avec lui. C'est toujours bon. Hein? C'est pas toujours la possession non. Ah, pourquoi lui? Pourquoi lui? Non. Est-ce que vous comprenez? Bon, il dit, verset 27, il dit, vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes donc ses membres, chacun pour sa part et chacun de vous à sa place, mais toujours honorable. L'œil, tout le monde, si tout le monde, tout le corps était œil, où serait le corps? Si toi, tu as un doigt, reste à ta place des doigts. Tu es toujours important, le doigt, il est toujours important. Mais à ta place des doigts, fais ton travail des doigts. Il ne faut pas vouloir être l'œil, parce que tu ne pourras pas faire l'œil. Et l'œil ne peut pas faire les doigts. Si vraiment tous nous comprenons cela, nous n'aurons pas de combat. Nous nous aimerions tous. Mais c'est vrai, ce que. C'est la connaissance de la bonne manière des choses de Dieu que nous avons besoin, en fait. Nous saurons comment faire en sorte qu'effectivement que l'ennemi ne puisse pas vraiment passer. Souvenez, nous avons lu effectivement dans le livre de Néhémie, vous savez. C'est vraiment important, parce que souvent, ce qui nous manque, c'est le temps. Le temps. Le temps, mon frère et ma soeur, le temps. Vraiment le temps. Et bon, nous continuons d'abord aussi. Il dit, mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Vous voyez? Et puis, nous continuons. Tous sont-ils les dons des miracles? Tous sont-ils les dons des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31 dit, aspirez, malgré tout ce que vous avez entendu, il dit, aspirez au don le meilleur.
Et puis il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ah. Comprenez? Ne courez pas. Il dit, je vous montre une voie par excellence. Il dit, maintenant, il prend maintenant. Quand je parlerai les langues, parce que tout le monde parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas donc cette voie-là, la chose-là, la charité-là, il dit, je suis un harin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Il dit, et quand même j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, en tout cas transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, vous comprenez bien, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert. Maintenant, il nous dit, la charité, elle est pleine, donc je dis, pleine pas à moitié, hein, pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Mais observons-nous, hein. Observons-nous, mon frère et ma soeur, dans tout ce point-là, effectivement aussi. Et les points envieux, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit toute la parole de Dieu. Elle espère tout. Elle supporte tout. Est-ce que vous comprenez? Donc une personne qui a ces points-là, mon frère et ma soeur, qui peut l'abattre? Le diable, quand il vient, c'est comme quand il a regardé Adam, puis il a regardé aussi Ève, il dit, mais quelle est la personne que je peux faire bouger? Non, frère et soeur, la chose que vous pensez pouvoir être comme une faiblesse, c'est que le diable vous fait voir cela comme cela. C'est parce que c'est l'âme qui les détruit, en fait. Et moi, je dois aimer cette personne-là qui est toujours comme ça, en train de me faire mal. Mais c'est ta puissance. Moi, lui faire vraiment du bien. Ça nous arrive, ça arrive, hein. Il y a ma femme, elle me dit, oh, dit, tu es difficile, va tuer les vite. Mais c'est cela ton problème. Le diable veut que tu arrives à ça pour quoi? Avoir sa semence en lui, dedans de toi, ça t'affaiblit. Oui, il faut souffrir pour Christ, mon frère et ma soeur. Oui. Souffrir pour faire le bien, vous avez le pouvoir. Là, le diable, il dit, parce que, il dit que je vais faire comme ça, parce qu'il va toujours faire quelque chose au travers de quelqu'un. Pour te désarçonner. Et toi, tu penses que bon, si je le remets, il me fait ça, si je montre l'amour, je suis faible. Et mais je vais aussi lui montrer aussi que moi aussi, je peux aussi lui faire ça. Ouais, Satan, il dit, ah, il n'est pas intelligent. Je l'ai vaincu. C'est ça le problème. Quand vous voyez, c'est votre faiblesse. Mais c'est dans la faiblesse que Dieu montre sa puissance. Amen. Toi, demeure là, 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 où c'est où l'écriture t'a placé. Tu me détestes, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, j'ai aussi envie de te détester. Mais je sais, si je fais ça, je suis faible. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'aimer. Oui. Satan m'a dit, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Moi, je vais t'aimer. Pas en se disant que je vais, non. Je vais me mettre à genoux. Seigneur, mets-moi cet amour. Parce que tu as fait de moi un fils de Dieu. Pas un fils du malin. Un fils de Dieu, même si on l'insulte, il l'aimera. Alors fais cela dans mon âme, ma soeur et mon frère, faites cela, vous verrez le changement. Dans vos maisons, serre et dites que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas, moi j'ai reçu des témoignages que vous ne vous entendez pas. Moi, mon frère et ma soeur, nous avons une puissance que nous n'arrivons pas à pouvoir bien comprendre les choses. Parce que nous sommes toujours charnels. On est toujours là. Il faut que je sois avec ceux-ci parce qu'ils me comprennent. Non, non, mon frère. Toi, la lumière, effectivement, pour tout le monde. La lumière est claire dans les ténèbres. C'est ça, être lumière. C'est sûr. Et celui-là qui ne me supporte pas, puisque quand même, vous savez, frère, je vais vous raconter mon témoignage, puis je vais arrêter. Quand j'étais parti là-bas,
Vous pouvez voir les photos. On a même pris les photos. Je leur ai dit, ceci là, ça, c'est l'absolu que vous avez jeté à l'extérieur pour prendre toutes ces bouclettes là, effectivement, pour citer ceci. Vous pouvez suivre la prédication. C'était tellement puissant que Dieu a pu, ailleurs à pouvoir agir. Les âmes ont été touchées. Je peux vous dire, je suis le témoin jusqu'à aujourd'hui encore. Mais il y en avait un qui était là, un Branhamis vraiment là, qui a montré effectivement qu'il est Branhamis. Il est venu là. Oui, les prophètes. Moi, je n'ai pas bougé, je suis resté simplement tranquille. Moi, je savais où je m'étais, frère. Je savais très bien où je m'étais dit. Aussi longtemps que ceci a été posé, que Dieu a eu à pouvoir se manifester, il dit, vous pouvez monter en haut. Descendre en bas, dites ce que vous voulez. Je sais très bien que ça, c'est l'absolu. Je suis resté tranquille. Il a commencé à sauter. Il est monté là parce qu'il a demandé même la parole pour parler après moi. Il m'a lavé. Il m'a lessivé. Ah, bien sûr que oui. Oh, comment peux-tu dire que c'est faux de pouvoir dire les prophètes de Dieu? Moi, j'ai démonté dans la Bible. Hein. J'ai dit, je leur ai dit, écoutez, mon frère, dès aujourd'hui, il faut comprendre que plus des prophètes a dit, frère Bonhomme a dit, dites Jésus a dit. Amen. C'est le Seigneur qui donne la vie. Ah oui, 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 mais parce que j'ai prêché en anglais, vous n'avez pas entendu l'anglais, c'est ça le problème. Alors il dit, il est parti là-bas, il a commencé à pour montrer, non, j'avais mal au cœur. Il dit, les pentecôtistes sont la Bible, là. Si nous n'avions pas le message, comment on aurait pu voir, je l'ai regardé. Il a eu à pouvoir se trémousser, là. Ah frère, c'est quand quelqu'un vous dit comme ça, il faut savoir. Non, c'est les prophètes, je suis resté tranquille, assis comme ça, je regarde. C'était comme si l'assemblée ne le recevait pas, enfin. Puis il est parti, il n'a pas voulu même me saluer. Moi, je suis resté, j'ai salué tout le monde, puis je rentrais. Et j'ai rentré donc à l'hôtel, et puis bon, lendemain, c'est moi qui ai clôturé, c'était donc le départ. La plupart de tous les prédicateurs qui étaient là, ça c'était un miracle de Dieu. Ils ont dit, non, ça c'est vraiment la parole. Il dit, je peux vous donner, il y a un même qui m'a écrit, il dit, mais quand je suis rentré dans mon église, j'ai pris ce que tu nous as prêché là-bas. J'ai montré à l'église que Jésus-Christ doit revenir là. Ah, plus. J'ai même lui envoyé encore un audio. Oui, bien sûr. Et alors, c'est lui-là qui a fait. Il n'a pas voulu même me voir, vous me saluer, moi, je n'ai pas de problème. Il a pris son chemin, je crois que c'était un autocar ou un bus qu'il est parti. Et je crois que c'était en plein milieu de la nuit, il m'appelle. Il dit, ah, my brother, j'ai dit quoi que ça dit, non, non. Je n'ai rien contre toi. J'ai dit, sur mon chemin, j'ai eu un accident. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le véhicule, plus renversé. C'est si et cela, je n'aurai pas tellement très bien. J'ai dit, je n'ai rien contre toi. Ah, tu es vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, je n'ai absolument rien contre toi. Il dit, mais c'est pour te dire, oui, tu vois vraiment, oui, ce que tu as dit. Vraiment, moi, j'ai apprécié ta prédication. Moi, j'ai dit, frère, je n'ai vraiment pas de problème contre toi. Et puis, il dit, ah, vraiment, vraiment. Dit. Et puis, moi, je voulais te dire, quand je disais cela, j'ai dit, mais quand il disait quoi? Allez, commence à chercher des paroles, effectivement. J'ai dit, j'ai compris, j'ai dit, frère, sois en paix. J'ai dit, vous pouvez vous élever, attaquer, vous n'arriverez jamais. J'ai dit, c'est le temps de Dieu de revenir à la chose de Dieu. Et le peuple de Dieu, maintenant, on m'envoyait même des vidéos, on dit, mais quand le peuple de Dieu rentre, soit-il même dans les arrêts de bus, dans le tram, je veux vous envoyer une vidéo, je l'ai dit, mais ils commencent à pouvoir chanter, dit, Seigneur, merci, la parole de Dieu que nous a donnée, on revient à Dieu. Oui, j'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, mon frère, ma soeur? Il dit que le diable pourra s'émousser, mais si moi, maintenant, comme il s'était élevé là, il commence à dire, je l'ai rebuté, moi, j'étais toujours tranquille. Et que moi, je me lève. Bon, maintenant, tu as dit ça, qu'est-ce que ça allait être? J'ai laissé Dieu simplement prendre effectivement la situation au contrôle. Et il a fait. Et je lui ai dit, mais mon frère, mais je t'aime, moi. Et c'est la vérité, je l'aimais beaucoup parce que je l'aimais, il dit, mais c'est pas toi, mais c'est les diables. Il te met la confusion pour que tu ne vois pas. Il dit, mais comment toi? J'ai dit, mais comment est-ce que. Je disais, non, la congrégation, j'ai dit, mais comment est-ce possible, vous? Quand on parle de William Branham, vous sautez, alléluia! Qu'on parle de Jésus, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, je l'ai dit, il dit, mais c'est lui qui n'aime pas mon Jésus qui soit maudit. Alors ça change tout.
les yeux se sont ouverts. J'ai dit, mais comment vous pouvez pas? J'ai dit, mais qui vous a sauvé? Un homme ne peut pas vous sauver. Un pécheur. Et comme, mais c'est sûr et certain. L'absolu, c'est pas une brochure, c'est la Bible. Oui, mon frère et ma soeur. Et quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez, même s'il est contre toi, reste toujours dans cette position. Tu gagneras ton frère. S'il est un fils de Dieu, il reviendra. S'il n'est pas de Dieu, il va fuir. Je voulais toujours donner l'exemple ici. Le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Mais il savait ce que Judas faisait. Quand il est voir le Sanhédrin dans la nuit là-bas, il savait, très bien. Mais il ne l'a jamais chassé. L'amour a une puissance. C'est là un point d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le monde est dans une situation tellement que les choses sont tellement sans dessus, sans cela. Et puis maintenant, la haine aussi, les gens le mépris, oui, bien sûr. Parce qu'ils autorisent maintenant, ils permettent maintenant des choses immorales. Nous, nous sommes appelés à pouvoir nous tenir séparés. Sortez du milieu d'eux. On lit cela et puis je m'arrête. 2 Corinthiens chapitre 6. Il nous dit. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quand on parle de la lumière, quand on parle effectivement de fidèles, effectivement, vous devez vous voir dans cela. Mon frère, ma soeur, même avec nos enfants que vous avez, ne les laissez pas se mêler dans des choses qui sont vraiment aussi infructueuses. Ne permettez pas à nos enfants, vos enfants, c'est pas quel c'est moi ici, je sais pas moi, quel soi-disant amour que vous pouvez avoir, de les laisser aller dans... Ils sont le vôtre. Ils ne sont pas de Satan. Ne vendez pas le vôtre. Parce que nos prières et nos larmes, ce que ces enfants partent avec nous. Ne les mettez pas dans les mauvaises conditions. Vérifiez leur habillement. Vérifiez leur façon de parler. Aidez-les à pouvoir comprendre qu'il faut respecter les personnes âgées. Respecter les frères et sœurs. Jamais critiquer, jamais mal parler, jamais dans les conversations infructueuses. Éduquez-les. Ce sont les nôtres. Ceux que Dieu nous a donnés, nous voulons hériter avec eux, mon frère. Ne faites jamais ce que le monde vous demande de pouvoir faire. Faites toujours ce que le Seigneur vous demande. Je termine ici, puis nous allons prier. Elle nous dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi. Ah, j'aime bien quand on a mis des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux, Soba, nous t'aimons, mon bien-aimé Seigneur. Oui, nous pouvons que t'exalter, mon roi, pour le bienfait que tu ne cesses de nous procurer, Seigneur.
Nous sommes ton peuple à toi. Nous savons que le jour se raccourcisse de plus en plus. Et notre départ, notre Père Céleste, notre Dieu, est vraiment si proche, mon roi. Bientôt, nous allons rentrer à la maison, Seigneur, et nous soupirons après cela, Père Saint-Dieu, parce que ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes que des passagers et des pèlerins, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, tu es allé nous préparer une cité, Père Saint-Dieu. Et c'est là que toi, le Dieu, tu es le constructeur et l'architecte, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, mon roi. Nous savons que bientôt, très bientôt, tu reviendras nous chercher parce que c'est toi qui es le chemin, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Et encore ce soir, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, pour ce que tu as fait, tu as protégé les nôtres, mon bien-aimé, Père Tibissant, que l'ennemi voulait emporter, mon bien-aimé, Père Tibissant. Tu as porté ma soeur, tu as protégé aussi mon frère, nos enfants aussi, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Merci encore pour ta maison ici, mon bien-aimé, Père Tibissant, que tu protèges, tu sanctifies, tu purifies. Garde ton père, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Garde nos enfants, garde nos bébés, garde nos frères, garde nos soeurs, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Ouvre les portes, bien-aimé, que ton peuple à toi soit aussi béni, bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Dans le travail, dans la délivrance, bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Être ramené davantage à toi, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. Oh, dans la consécration, mon roi. Merci parce que tu nous as conduit à pouvoir jeûner et prier. Combien c'était un moment merveilleux. Nous te disons merci, mon roi. Nous avons soif de Dieu vivant, bien-aimé, Père Saint Dieu. De marcher avec toi, d'être conduit par toi, d'être éclairé par toi. Garde mes frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Leurs enfants soient gardés, leurs enfants aussi guéris, mon roi, sous le sang de Jésus, mon bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Garde ton père, mon bien-aimé, Père Tibissant, et protège encore, Seigneur. Et merci, merci pour ta bonté, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. Gloire à toi. Merci pour tes compassions à notre endroit, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. Tes yeux fixés sur nous, Père Saint Dieu. Tu as dit. Ils étaient alors très peu nombreux. Très peu nombreux. Peu nombreux, très peu nombreux. Oh, tu ne permets pas qu'on les touche à bien-aimé Père. Tu châtias le roi, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes, mon roi. Garde ton peuple, mon roi. Que tu t'es choisi toi-même, que tu conduis, Seigneur Dieu. Et partout où il se trouve, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, souviens-toi, ramène-les à toi. La manière de marcher avec toi, Père Saint-Dieu, d'être conduit et éclairé par toi, mon sauveur. À toi donc l'honneur, à toi donc la puissance, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Sois béni encore. Et nous te remercions. Merci pour tout. Gloire à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Où tes bontés dans ma vie. Et ta grâce le soir. Merci. Toi qui guéris les mains. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, sois ma.